Bonsoir à tous, merci d'être fidèles à Confront-il, le rendez-vous mensuel de la rédaction de France 3 Corse. Pendant la campagne pour les élections territoriales de décembre prochain, Confront-il propose aux candidats de venir débattre autour des thèmes qui serviront de socle à la campagne électorale. Le mois dernier, nous avons abordé la question de l'environnement. Le mois prochain, ce sont les institutions qui s'inviteront sur le plateau de Confront-il. Ce soir, en compagnie de nos 6 invités, nous parlerons d'économie. Comment endiguer le chômage? Quelles sont les propositions en matière économique que les candidats défendront tout au long de la campagne? Comment relancer la consommation des ménages, les investissements des entreprises? C'est le thème du débat de ce soir. Merci à tous les 6 de votre présence. Marie-Antoinette Santoni-Brunelli, bonsoir. Vous êtes conseillère territoriale et vous serez sur la liste conduite par José Rossi, liste Les Républicains UDI, et la liste s'intitule La Corse à plein temps. Bonsoir. Bonsoir. Vanina Pieri, bonsoir. Vous êtes conseillère exécutive, présidente de l'Agence du tourisme de la Corse et seconde sur la liste conduite par Jean-Charles Orsouch, le maire de Bonifacio. La liste s'intitule « La Corse au cœur ». Bonsoir. Marie-Louise Gély, bonsoir. Vous êtes conseillère exécutive, présidente de l'Office foncier de l'Agence d'aménagement durable et vous occupez la seconde place sur la liste du président de l'exécutif, Paul Giacobbi. La liste s'appelle « Prime à Gourciga ». Bonsoir Michel Stéphanie, vous êtes bonsoir. Conseiller territorial et candidat sur la liste conduite par le président de l'Assemblée de Corse, Dominique Bouquin, la liste Front de Gauche, Parti communiste. Bonsoir. Bonsoir. Jean Tsoukaril, vous êtes conseiller exécutif, président de l'Agence de développement de la Corse. Vous conduisez votre propre liste aux élections territoriales. La liste s'appelle Garantie républicaine. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin Jean Biancucci, vous êtes conseiller territorial sortant et candidat sur la liste Femagour, liste qui sera conduite par le maire de Bastia, Gilles Siméogne. Alors pour débuter ce débat qui nous occupera pendant 1 heure et quart, au cours duquel nous aborderons les grands thèmes qui font l'économie, je vous propose de regarder ces chiffres. Ce sont les chiffres du chômage pendant la mandature qui vient de s'écouler, c'est-à-dire de 2010 à 2015. Regardez cette courbe, le graphique qui apparaît à l'écran donne la pleine mesure de la situation. En 2010, lorsque la mandature a commencé, l'actuelle mandature, le taux de chômage était de 8,8%. Il est à 11% aujourd'hui. Ce sont les chiffres de l'INSEE, ce qui représente 22 544 demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. Alors, Jean Tsoukaril, les premières questions, c'est tout. Président de l'ADEC, est-ce que vous estimez porter une responsabilité dans cette hausse du chômage? Alors, il y a certains contextes national, mais quand même. Oui, chacun à présent l'esprit, le contexte national. Je crois qu'il faut dire d'abord qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres du chômage. Donc 11% en Corse, 10,5% au national, 12,5% en PACA, 17% en Sardaigne, 16% en Baléares pour prendre des systèmes insulaires proches de chez nous. Derrière ce chômage, il y a effectivement des mouvements démographiques d'entrée et sortie sur le marché du travail complexes. Il y a une hausse importante dans notre région liée à la structure de son emploi, c'est-à-dire la saisonnalité notamment de l'activité touristique et le recours aux travailleurs détachés qui a pu provoquer en effet une éviction de la main-d'œuvre locale sur le marché. Mais tout de même, est-ce qu'on n'a pas l'impression que la politique économique que vous avez impulsée, enfin que la majorité territoriale a impulsée, est un échec si l'on se réfère à ces chiffres-là? Je vais vous répondre. Une fois qu'on a dit ça, il faut revenir aux compétences de la collectivité et celles qui nous étaient confiées, en particulier au président de l'ADEC. Nous, notre mission, c'est le développement de l'activité économique et la création d'emplois sur les territoires. Et là, très simplement, la région Corse, notre région, dans la même période, parce que j'aurais pu venir avec des chiffres tout aussi probants, est la région qui a continué à créer l'emploi salarié. D'accord ? Et elle l'a fait, et c'est aussi la région qui a, vous avez vu, les meilleurs résultats, ça a été souligné par la presse nationale et par l'INSEE, en matière d'entrepreneuriat, de création d'entreprises et de survie de ces entreprises. On va y revenir. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le bilan, pour nous, s'apprécie d'abord sur la création et le maintien de l'emploi. Et là-dessus, le bilan, notamment de l'ADEC et de la CTC, notamment au travers, pour avoir un chiffre global, des 4000 emplois créés ou consolidés, est tout à fait remarquable. Allez, le débat est ouvert. On va en parler. Jean Biancucci.
Oui, mais simplement, d'abord, sur le nombre de chômeurs. On a coutume de dire... On rappelle le chiffre, 22 544. Sauf que c'est un chiffre qui date de fin août. Fin août, en pleine saison touristique. Après la saison touristique. Il reste à craindre que le chiffre de fin octobre soit beaucoup plus important. On pourrait le situer, je me suis renseigné un peu, j'ai demandé, aux alentours de 23 500, à quelque chose près. Je dois signaler aussi que la montée du chômage ne date pas de 2010, pour être clair. Elle a commencé en 2008 au moins, sinon avant, et elle était déjà assez accentuée puisqu'elle était à 7,7%. Ce qui n'exonère pas, bien entendu, M. Tsoukaril et consorts, de la responsabilité qu'ils ont dans la situation. Même si je peux comprendre, par ailleurs, que le chômage a aussi des origines structurelles qui ne dépendent pas uniquement de la situation de la Corse. Mais je vais ajouter un autre élément. Il y a en Corse une inadéquation entre la formation des hommes et les besoins. Je vais citer la viticulture, 150 millions d'euros. Les gens qui sont embauchés dans le cadre de techniciens viennent de l'extérieur. Pourquoi ? Alors, je voudrais peut-être réagir à ce stade-là des échanges. Donc effectivement, la Corse, elle évolue dans un monde, je dirais, elle évolue au sein de la nation française, elle évolue dans un cadre européen et puis elle évolue dans un cadre mondial. Donc bien évidemment, la crise de 2007-2008 s'est répercutée en Corse. Avec un décalage dans le temps, on le savait, tous les économistes le disaient, la crise arrivera en Corse, sa structure, son insularité faisait qu'il y a effectivement un décalage entre le moment où elle s'est produite partout ailleurs et les effets qu'elle a produits chez nous. Ça, c'est une première évidence. Et autre chose, la question... des conséquences et des mécanismes qui aujourd'hui alimentent les diminutions d'emplois, alimentent les situations de précarité, ce sont des mécanismes qui dépassent largement le cadre de la Corse. Mais néanmoins, puisqu'on parle de la Corse et que l'on doit regarder aussi ici localement quels sont les leviers d'action dont nous disposons, voire les effets pervers qui ont été engagés sur cette île depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Moi j'en vois au moins un. C'est une absence totale de modèle de développement économique. Mais parce que personne, on est d'accord, Jean, je suis convaincue. Alors c'est quoi ? C'est l'emploi public à outrance que vous dénoncez ? Très clairement, c'est, pour être très, très simplement précise dans mon propos... Jean Tsoukaril en tombe presque de sa chaise. Allez-y, poursuivez. Je suis désolée. Pour le remonter. Merci. C'est pour les stabiliser. Donc non, mais je vais pas pour autant. C'est un sujet sérieux, mais tout de même. Donc moi, ce que je dirais, c'est le lâche-accord, comme on dit chez nous, c'est-à-dire l'absence de projet de développement économique organisé, planifié. L'économie résidentielle, celle qui s'est mise en œuvre au fil de l'eau, celle qui était préconisée par le PADUC de 2009, celle qui finalement a même déplu au président Sarkozy, qui a dit celui-là, le PADUC, il est nul. Et puis, et finalement, aujourd'hui, celle qui était finalement basée sur quoi ? Sur la construction individuelle, à tout craint, n'importe comment, n'importe où, etc. Ça, c'est un modèle économique qui fait mal à la Corse. Et donc, j'en viens à ma conclusion, mais j'enchaînerai tout à l'heure. Nous devons effectivement y remédier. Comment ? Eh bien, en proposant un modèle de développement qui soit un modèle de développement d'économie productive. Et j'y viendrai. Moi, je comprends tout à fait que Jean Tsoukaril et maintenant Maria Giudice essaient de se dédouaner de leurs responsabilités durant ces 5 dernières années. Bien évidemment, nous n'avons pas la même vision. Mais écoutez, parlons d'un passé plus proche. Ces 5 dernières années, quand même. Je crois que les téléspectateurs qui nous écoutent aujourd'hui, vous avez posé une question très précise, Henri-Marianne. Vous avez demandé quelle était la responsabilité de l'actuelle majorité. Mais moi, je vais vous répondre très clairement à cette question. La responsabilité, primo, la baisse des investissements de la collectivité territoriale de Corse. 50 millions d'euros de moins sur 5 ans. Donc forcément, un impact sur le BTP. Et tous les professionnels du BTP vous le diront. Quand le premier donneur d'ordre public, qui est la collectivité territoriale de Corse, baisse ses investissements pour un montant colossal de 50 millions d'euros, comment voulez-vous que cela n'alimente pas la crise du BTP qui était déjà bien présente ? Ça, c'est le premier point.
Le budget de l'action économique, Monsieur Tsoukaril, vous êtes président de l'ADEC, il a quand même fondu comme neige au soleil. Nous étions à 30 millions d'euros en 2010, il est passé aujourd'hui à peine 10 millions d'euros, pas tout à fait 10 millions d'euros. Comment est-ce que vous voulez financer l'action économique, le développement économique avec une feuille de route ambitieuse que vous avez présentée à l'Assemblée de Corse, avec ces si faibles moyens ? Vous n'avez pas réussi à anticiper la crise du BTP, je viens de le dire. Vous avez un observatoire économique qui a une activité quasi confidentielle. L'économie sociale et solidaire, vous n'arrivez pas à la financer. Il y a des zones d'activité dont on parlera plus tard quand on parlera des propositions qui sont en plein essor que vous n'arrivez pas non plus à alimenter. Et parlons enfin des outils financiers qui ont besoin, encore une fois, de l'appui de l'ADEC. C'est un constat d'échec. On fait un tour de table et on revient à vous. Allez. Je tombe presque au bon moment, puisque ma collègue Marie-Antoinette Santone Ibrounet vient de dire effectivement que nos budgets... nos budgets ont fondu comme neige au soleil. Il faut en remercier l'ancienne majorité, puisque quand nous sommes arrivés, les caisses étaient vides. Il faut le reconnaître quand même. Donc c'est vrai, nous avons essayé de faire mieux avec moins d'argent. Bon, moi je considère que c'est pas forcément un mal, puisque ça nous oblige à innover, et je pense que à ce titre-là, la majorité sortante a montré qu'elle pouvait le faire. Alors, montré qu'elle savait vider les caisses, parce que là, je suis obligée de m'élever contre ce qui vient d'être dit. Marie-Antoinette, je ne vous ai pas coupé la parole, de grâce, laissez-moi dérouler mon propos jusqu'au bout. Alors, pour revenir, en ce qui concerne le tourisme, puisque tout le monde parle du tourisme, puisque effectivement, c'est le levier de l'économie insulaire, alors ça déplaît pour beaucoup, et c'est vrai qu'il faut rééquilibrer, mais c'est le levier de l'économie insulaire, c'est 24% du PIB, c'est 31% du PIB avec le transport, c'est 4 fois plus que la moyenne nationale, c'est 2 fois plus que PACA. Il ne faut pas s'en féliciter, mais je rappelle simplement un chiffre. Quand je suis arrivée en 2010 à la tête de l'agence de tourisme de la Corse, on n'avait même pas mesuré l'indice de Gini, c'est-à-dire l'indice de saisonnalité dont tout le monde parle. Il était de moins de 6 semaines. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, il y a un véritable étalement de saison. Plus 20% en avant-saison, plus 22% en arrière-saison. Et simplement, deux chiffres, puisque Marie-Antoinette parlait de l'argent public qui n'est pas mobilisé. On a mobilisé les fonds CADEC. C'est 9 millions d'euros rien que pour l'ATC. C'est en effet levier 134 millions d'euros d'investissement. C'est 170 entreprises et hôtels aidés. C'est 1260 emplois consolidés et c'est 287 emplois créés. Ça veut dire que le tourisme à lui seul, aujourd'hui, c'est un emploi sur 10 en Corse, consolider et créer. Alors c'est vrai, c'est pas la réponse à tout, c'est une première réponse. Il faut savoir aussi que nous avons 30 ans de retard, oui, 30 ans de retard, parce qu'ailleurs le tourisme c'est une véritable industrie, considérée comme une véritable industrie. Ici ça a été considéré pendant très longtemps comme une économie de cueillette. Et rajoutons à ça que les pratiques et les postures politiques ont fait qu'on a opposé des mondes, le tourisme et l'agriculture. Aujourd'hui, avoir un vrai modèle de développement économique, c'est concilier les gens entre eux, c'est concilier les filières et enfin afficher des priorités. Michel, c'est tout ce qui n'est pas dans l'actuel PADU qui tourne le dos complètement au développement économique et nous en parlerons plus tard. On y reviendra. Alors, Michel, c'est ça. Ben, moi, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de modèle économique en Corse. Il y a un modèle économique qui a prévalu pendant 25 ans, qui est celui du tourisme, du tout-tourisme et puis du tourisme de luxe et ensuite de la rente fiscale avec la zone franche. C'est pour partie, je dirais, ce choix qui a été recouvert par le concept de désanctuarisation. Et tout cela a structuré, me semble-t-il, ce que nous avons défini comme l'économie de la rente. Alors, cette politique est à l'origine de graves inégalités sociales dans notre région, puisque nous avons, indépendamment des chiffres qui ont été annoncés, vous avez raison, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus, nous avons 18 000 ménages qui ont des revenus inférieurs aux revenus monétaires, c'est-à-dire 1 000 euros par mois. Et nous avons par ailleurs 1 600 foyers qui, eux, ont déclaré des revenus annuels moyens en 2010 de 180 000 euros. Donc ce sont ces inégalités aujourd'hui qui créent une situation particulièrement difficile avec une précarité galopante, de la pauvreté. Et un système où nous voyons par exemple avec les détournements de réfaction de TVA, 250 millions d'euros par an à peu près, qui créent des conditions de vie particulièrement difficiles pour les ménages les plus modestes, puisque la vie est excessivement chère dans notre région. Donc voilà ce que je peux dire moi sur le modèle économique qui a pu prévaloir jusqu'à présent et la nécessité d'en sortir. Nous avons dit qu'il fallait rompre avec l'économie de la rente, c'est vrai. On va parler de vos propositions en seconde partie de l'émission. Mais nous voyons bien qu'il y a des oppositions à cela. La première des oppositions, c'est
la politique d'austérité, c'est vrai, qui fait que les collectivités ont moins de moyens pour investir. Et on sait que l'investissement public est important pour soutenir l'activité économique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, autour de la politique du tout-tourisme, le tapis rouge qui a été déroulé aux compagnies low-cost, avec tout ce que ça implique aujourd'hui, une déstabilisation... du transport, du service public, des compagnies avec des menaces sur l'emploi qui sont très lourdes puisqu'on parle de centaines d'emplois supprimés à Air France et à la SNCM. Jean Tsoukaré, Marie-Antoinette Santoni-Brunet disait que feuille de route ambitieuse, mais pas de moyens. Sans trahir. D'abord vous dire que ma vision de l'avenir de la Corse. C'est la priorité au développement économique. Alors je suis heureux de voir que... Excusez-moi. Marie-Antoinette, je ne vous ai pas interrompu. Ça reste un débat. Pas l'école. Excusez-moi, mais je ne peux pas m'empêcher de réagir à quand vous dites... Je vous ai laissé quand même avancer à certains arguments qui étaient erronés. Je ne vous ai pas interrompu pour autant. J'attends les vôtres. Simplement, j'observe qu'aujourd'hui, tous les candidats commencent à s'intéresser au développement économique. Tant mieux, mais je note quand même qu'il n'y a, hors ma présence, aucun tête de liste sur un débat aussi prioritaire, et oui, aussi prioritaire que l'économie. On fera une exception pour Vanina. Merci. Voilà, chacun. C'est un argument. C'est un argument. Je veux dire, devant l'opinion, qu'est-ce que ça pèse? On a une dimension qui est une dimension collégiale chez nous et sur d'autres listes. Je vois pas l'importance. Ça pèse que si on y accorde l'importance, on vient défendre. Ce qui est important, c'est les arguments. Devant les têtes de liste. Bon, ceci étant dit. Marie-Antoinette est bien placée pour savoir le travail considérable qui a été fait à l'ADEC, puisqu'elle faisait partie du conseil d'administration. Du reste, si je m'en réfère aux propositions qui ont pu être formulées par votre groupe, par vous-même pendant la mandature, il n'y en a eu absolument aucune. Et simplement un chiffre, quand j'ai pris l'ADEC en 2010, aujourd'hui je clôture cette mandature, j'ai multiplié par 3 le nombre de dossiers traités à l'ADEC. Alors quand vous nous dites que le budget, encore faut-il comparer les périmètres, aurait été divisé par 3, nous sommes arrivés à faire beaucoup plus avec moins de moyens. Maintenant, je vais aussi vous dire qu'en effet, j'ai dû me battre pour conserver les moyens qu'il fallait à l'ADEC et que demain, je donnerai plus de moyens encore au développement économique. Et enfin, je terminerai en disant que... Ce travail, quand je dis travail considérable, rendez-vous compte que nous avons assuré le financement des entreprises en relançant la CADEC, en obtenant la poursuite du crédit d'investissement. Je vous rappelle qu'à l'occasion du dernier BS 2015, c'est une intervention. Vous avez quitté le budget supplémentaire de la collectivité territoriale de Corse. Vous avez même quitté votre place dans les rangs de l'exécutif parce qu'il y avait des divergences avec le président de l'exécutif. Vous êtes quelqu'un d'honnête et vous le reconnaîtrez. Absolument. Vous parlez des positions de notre groupe. Nous avons dû amender le BS pour que vous ayez quelques moyens supplémentaires, mais qui ne suffisent pas pour faire fonctionner votre agence de développement économique, en attendant, monsieur Tsoukaré. Vous ne pouvez pas nier, avec tout le respect que j'ai pour vous et tout l'investissement que vous avez pu avoir dans cette mandature, vous savez très bien que le développement économique a été le parent pauvre de cette mandature. Vous ne pouvez pas, vous disiez tout à l'heure que tout le monde s'intéresse au développement économique. Moi, je vous demande, je demande à ceux qui sont aux responsabilités aujourd'hui, moi j'attends de ceux qui sont aux responsabilités aujourd'hui, ils arrêtent de parler de développement économique alors que pendant 5 ans, ils n'ont rien fait. On va en parler. Moi, je voudrais qu'on en parle. Parent pauvre de la mandature. Parce que dès qu'on est arrivé à l'Assemblée, vous nous avez, en 2010, 2011, vous nous proposiez, en janvier 2011, je crois, si je me rappelle bien, vous nous proposez une feuille de route. Qui était inédite. Sans doute, mais les résultats sont inédits aussi. Les résultats sont très positifs. Alors, je commence, puisqu'il faut parler des choses précisément. Est-ce que vous avez fait une évaluation
Parce qu'aujourd'hui, les politiques, lorsqu'on les mène à l'échelle... Ouais, évaluation des politiques publiques, c'est ça ? Il n'y a pas eu d'évaluation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Puisque nous avons révisé la Il y a eu un échec total en matière de veille prospective. Et je pense qu'on peut être d'accord. Il y a eu un échec total en matière d'ingénierie de projet. Il y a eu un échec total en attractivité. C'est pourtant des objectifs que vous avez affichés. Moi, je reviens sur l'attractivité, Jean Yankouch. Monsieur Tsoukarelli, Jean Tsoukarelli, en 2010, nous n'attendions rien de vous. Ah. Mais vous nous avez quand même étonnés parce que vous nous avez déçus au-delà du possible. Vous le laissez répondre. Vous avez voté, pardonnez-moi, très rapidement, puisque on s'adresse à moi. Et à Marie-Louise qui voudrait répondre également. Et Valéna Pierre, accessoirement, il y a trois conseils exécutifs. Non mais, j'écoute Jean Biancucci et je souris. Oui, non mais essayez de monopoliser le débat tous les deux. Vous avez voté à peu près tous les dispositifs qui ont été déclinés de la feuille de route. Vous les avez à peu près tous votés. Bon. Alors aujourd'hui, vous nous expliquez que ça ne suffisait pas. Et ce que je vous ai dit... Vous accompagner sur des propositions intéressantes, mais c'est les moyens... Attendez. Ne sont pas affectés aux propositions. S'il vous plaît. Pas tous. Débat, oui, mais pas tous en même temps. Sinon, pas de débat, cacophonie. Alors, essayez de ne pas débattre tous les deux. Il y a six invités. On ne peut pas laisser dire... Maria, je suis d'accord, mais... On ne peut pas... Ça ne catastrophe pas, non. Non, simplement, je suis obligé de rétablir des vérités. La vérité, c'est que l'ADEC, elle travaille trois fois plus que quand vous l'avez laissée. Ça, c'est la vérité des chiffres. D'accord ? L'ADEC, c'est qu'elle a contribué à créer 4000 emplois salariés. L'ADEC, elle a contribué à faire que la région Corse soit la seule région pour laquelle l'emploi salarié et continuer à progresser pendant toute cette période de crise. Qu'est-ce que vous voulez de mieux ? L'institution. Je voudrais vous dire très simplement, s'il vous plaît. Ce que je voulais vous dire très simplement, l'ADEC est un outil. L'ADEC est un outil au service du développement économique. L'agence du tourisme en est un, l'agence de l'urbanisme en est un autre, l'office foncier en est également un, etc. etc. Donc nous avons un panel d'outils qui ont effectivement qui ont mis en œuvre des dispositifs, lesquels ont abouti à certains résultats, qui sont certainement perfectibles, mais en tout cas à certains résultats. Pour autant, ce ne sont pas les leviers en tant que tels du développement économique. Nous avons à notre actif un certain nombre de leviers, des leviers notamment financiers, des moyens dont nous avons obtenu un certain nombre de garanties. Je veux dire par là, premièrement... Mais quand la CTC investit 50 millions d'euros en moins, Maria, mais répondez à cette question. Quand la CTC investit 50 millions d'euros sur les routes, supprime la déviation d'Olmètre, qui est importante pour la vitalité économique de cette région, laissez-moi la juger de répondre sur les 50 millions d'euros en moins. Si le jeu consiste... Est-ce qu'on a la compétence économique, oui ou non ? Oui, monsieur Biancucci. Si le jeu consiste à entraver les projets, on a... Le jeu consiste à répondre franchement aux questions. Je réponds très clairement. Allez. Nous avons reconduit un PEI, un contrat de projet État-Région et des fonds européens au même niveau que précédemment, dans un contexte d'austérité que Michel Stefani a souligné et qui relève pour le coup de l'exploit. Premièrement. Deuxièmement, nous avons évité, ce qui n'était pas votre cas, en 2010, le dégagement d'office. Parce que nous disposions, alors contre toute attente, la Corse dispose de moyens européens volumineux, conséquents, et nos prédécesseurs sont arrivés avec un bilan négatif, c'est-à-dire dans l'incapacité. Il ne s'agit pas de dire vous avez engagé 50 millions d'euros en moins, etc., en investissement. Non, ça vous semble c'est bien. Un certain nombre. Eh ben écoutez, non, c'est pire que ça. Les professionnels du BTP ne répondent pas comme vous. C'est pire que ça. Vous, na-
n'avez pas été en capacité d'engager les moyens dont vous disposiez à l'époque. Et nous avons, évité le dégagement d'office. Et les autres. Non, mais Jean, nous parlons d'aujourd'hui et d'hier. Vous avez réduit la capacité d'autofinancement de la collectivité. Vous avez augmenté les charges de fonctionnement avec des embauches à tout va et vous avez diminué les investissements. C'est la réalité. Alors, terminé. Attendez, parce que là, on ne comprend plus rien. Là, le téléspectateur est perdu. Je vous le dis tout de suite. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous réponds par rapport à celle-ci. Vous laissez terminer Maria Duigel et ensuite Vanina Pierre. Allez. Donc, mais si on s'interpelle, Donc, je continue mon propos tranquillement. Non, on est dans un débat, dans un échange. Croyez-vous qu'un développement économique puisse s'exercer dans une île où les trains ne roulent pas ? Monsieur le Président des chemins de fer de la Corse. C'est exactement ce qui s'est produit quand nous sommes arrivés en 2010. Les trains ne roulaient pas. Je suis désolée. Croyez-vous que la capacité financière de la collectivité économique de Corse soit effectivement opérationnelle lorsque vous avez entravé le budget d'un emprunt toxique qui a généré 20% d'intérêt ? Deux emprunts toxiques. Moire deux. Ça, c'est un héritage, un lourd héritage auquel il a fallu répondre. Allez. Je continue. Mais de votre bilan, croyez-vous, on parle de la mandature écoulée. Merci, monsieur Maria, de le rappeler. J'inverse les choses. Nous avons réglé l'emprunt toxique. Oui. Nous avons réglé les dégagements d'office. Nous avons assaini la situation financière de la collectivité. Vous avez perdu 23 millions d'euros du FCTVA parce que vous avez réduit les investissements sous maîtrise d'ouvrage. Eh oui, mais vous interpellez la précédente. Attendez, non, pas tous en même temps. Non, pas tous en même temps, parce que là, c'est la cacophonie, et en plus, une litanie de chiffres. Bon, monsieur Marianne, puisque je suis interrompue toutes les secondes, je finis sur l'aspect financier. Après, je parlerai plutôt de l'aspect développement en termes d'outils et de prospective. Parce qu'au-delà du constat, on va venir aux propositions. Autre chose, quand nous sommes arrivés, nous avions un déficit sur la dotation de continuité territoriale de moins 8 millions d'euros. Aujourd'hui, nous avons un excédent de 14 millions d'euros et il sera de 30 millions d'euros en 2016. Pitié. Absolument. Parce que vous avez récupéré 18 millions d'euros sur la SNCF. C'est malhonnête. Allez, Vanina Pierre. L'office des transports serait en déficit. Si les spectateurs méritent mieux que cette Là, on arrête les chiffres parce que je pense que c'est incompréhensible pour les spectateurs. Sur la question très claire qui a été posée, on est obligé aussi de donner des chiffres parce qu'on est obligé de dresser un constat. À titre d'information, oui, mais pas une litanie. C'est ce que j'ai fait à titre d'information. Il a-t-il eu une évaluation des politiques publiques ? Pour mon secteur, la réponse est oui. Et c'est pas moi qui l'ai faite. Bon. Il y a eu une évaluation des politiques publiques et il y a eu des audits organisationnels et financiers en 2010. Marie-Antoinette Santoni-Brunel a évoqué le nombre d'emplois qui ont été faits. Pour l'agence du tourisme de la Corse, je suis arrivée, il y en avait 50. Je vais partir, il y en aura 50. Donc ça, ce sont des choses qui sont vérifiables. Sur l'engagement des dépenses, excusez-moi de le souligner, puisqu'on est mis au banc des accusés. Vous faites partie d'une majorité qui a Je suis présidente de l'agence du tourisme de la Corse. Marie-Antoinette Santoni-Brunel, je vous donnerai la parole. Vous terminez. Sur ma délégation, en ce qui concerne le mandat sur les fonds européens, on est arrivé à mi-mandature. 17% d'engagement financier sur l'agence du tourisme de la Corse. Je vais laisser un bilan à 114% d'engagement sur les dossiers faits. Ah oui, effectivement, ce sont des chiffres. Mais nous avons récupéré en 5 ans de mandature ce qui n'avait pas été fait avant. Alors ensuite, pour essayer d'élever un peu le débat et sortir des chiffres et revenir au contexte. Oui, effectivement, aujourd'hui, il y a une crise économique. Et non, elle n'est pas conjoncturelle, mais elle est structurelle. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne l'activité touristique, il y a un véritable étalement de saison. Alors, certains parlent de tout tourisme et de tourisme de luxe. Mais si le pilier de l'économie, s'effondre, l'un des piliers. Le pilier. 24% du PIB, c'est le pilier. Qu'avons-nous d'autre à proposer ? Maintenant, je vais vous dire très clairement, je ne suis pas pour le tourisme. Je pourrais me gargariser de ces chiffres. C'est pas ce que je fais. Aujourd'hui, il faut rééquilibrer. Et Dieu sait qu'avec Maria Giudice, on n'a pas toujours été d'accord sur le PADUC. Mais force est de constater qu'il y a eu un travail énorme qui a été entrepris. Et aujourd'hui, on est sur la ligne d'un modèle de développement économique. Alors pour ma part, j'aurais aimé, elle le sait, qu'on aille un peu plus loin et qu'on aille jusqu'à localiser les zones d'activité économique et les zones de développement touristique. Pour une simple et bonne raison, Henri-Marianne, c'est qu'aujourd'hui, penser l'aménagement du territoire sans penser le développement,
ce n'est pas la bonne solution. Et aujourd'hui, c'est vrai, et je rejoins Jean Biancucci, nous avons un déficit d'ingénierie en matière de projet. Et ce qui s'ouvre avec la nouvelle mandature et avec la collectivité unique, c'est le premier axe que nous devons développer. Allez. Aujourd'hui, la région, je finis. Et très vite. Non, tout le monde a coupé la parole. Aujourd'hui, la région a mis en place, au niveau de l'Agence du tourisme, une politique de territorialisation, et nous sommes les seuls. Il faut poursuivre dans le cadre de la collectivité unique. Pourquoi ? Parce que vous avez des agents qui seront mis à disposition et qui, filière par filière, je dis bien filière par filière, devront faire ce travail pour qu'il y ait une ingénierie de pré-projet. Vous parliez tout à l'heure des créations d'entreprises. On va en parler, je vais vous donner le chiffre. Je vais vous donner le chiffre. Oui, il faut s'en féliciter. Mais aujourd'hui, attendez. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque ? Il manque les pré-études de faisabilité. Aujourd'hui, c'est le parcours du combattant pour le jeune qui veut se lancer. Et si on veut véritablement répondre au non à l'économie de la rente et non à tout craint à l'emploi public, il faut aider les jeunes à s'installer. Et ça passe par quoi ? Ça passe par des zones d'activité qui sont dédiés et ça passe par des études d'ingénierie, notamment des études de marché. Alors, qui attendez, vont permettre de transformer l'idée. Non, mais attendez, justement, moi j'aimerais poser une question. J'aimerais juste poser une question à Vanina Pierre. J'aimerais savoir si aujourd'hui, elle est là bien évidemment en tant que candidate, mais elle est obligée aussi d'assumer collectivement avec ses collègues. Le bilan, qui sont là, le bilan. Assumer, alors, madame la conseillère. Le bilan, encore une fois, dans le domaine du tourisme, on n'est pas là pour faire un focus sur le tourisme, on est là pour faire un focus sur l'économie. Le bilan est d'accord. On est d'accord. Et puisqu'on parle d'un sujet important, on va certainement arriver à en parler au PADUC. Oui. Eh bien, on parle de zone d'activité. Mais justement, vous prenez l'exemple d'un PADUC que vous avez porté avec la majorité actuelle, avec Maria Dulucci, Jean Tucarel qui sont là, un PADUC qui tourne complètement le dos à la création de zone d'activité. Je vous cite juste un exemple. Madame Luchet, il y a une carte. Je vous cite. Laissez-moi finir. Il faut arrêter ces contre-vérités permanentes. Écoutez, dans le PADUC qui fait 3200 pages. Sérieusement, monsieur Tucarel. Écoutez, laissez-moi finir ma phrase. Nous avons un PADUC. Attendez, pas tous en même temps. Je rebondis sur les propos de Vanina Pierre. Je partage une partie de ce qu'elle a dit, donc voilà. Mais le problème, c'est que ça ne figure pas dans ce PADUC. Nous avons, dans un document de 3200 pages, une carte des destinations des sols. Nous avons une carte de destination des sols. D'accord ? Oui, on va donner la parole à Stéphanie aussi. Qui fait état de toutes les restrictions. C'est une carte que tout le monde a eue. Et nous n'avons pas eu le pendant de toutes les possibilités de développement des zones d'activité. Je citerai un exemple sur un territoire que Marie-Adjuel connaît bien, qui est le territoire de la CAPA, qui a mis en place son schéma, que Jean Biancucci connaît bien, son schéma de développement et d'aménagement, qui prévoit notamment de mettre en valeur des activités notamment aéronautiques, qui sont en matière d'industrie des pointes dans le domaine économique. Eh bien, qu'est-ce qui nous en empêche ? C'est que nous avons souhaité que ce soit intégré dans le cadre du PADUC, et nous avons fait. D'ailleurs, nous avons. Allez, attendez, mais je vous annonce en même temps. Jean Tucarel, Maria Dulucci, les réponses, j'aimerais entendre Michel Stéphanie aussi. Maria Dulucci, allez. Donc, en effet, Vanina Pierre a raison, ça ne figure pas dans le PADUC. Elle a raison, et elle a bien fait de le dire. Merci. Donc, écoutez, c'est très intéressant tout ça. On continue d'entendre des contre-vérités et des choses qui sont absolument hallucinantes. Le PADUC, vous le savez, est constitué de au moins 25 secteurs à enjeux régionaux que nous avons identifiés comme cumulant un certain nombre d'atouts, parfois contradictoires, mais qu'il faut organiser. Le secteur auquel fait référence Marie-Antoinette Santoni-Brunet, bien sûr, est un des 25 secteurs à enjeux régionaux. Qu'est-ce que l'on dit là-dessus ? On dit, Grantin, on ne peut pas. Le PADUC n'a pas à entraver les décisions locales. Il doit accompagner, il doit donner des orientations. Cette zone-là fait l'objet de grandes orientations de développement où viennent cohabiter les questions des infrastructures, la voie ferrée, la route, les transports, l'accueil des populations, l'activité agricole, l'activité économique, et puis bien sûr sur le pôle d'Aspret, puisqu'elle fait partie de, elle fait référence à ça, il est explicitement dit dans le PADUC qu'il a vocation à accueillir un grand pôle nautique. Donc c'est une chose qui est absolument évidente, premièrement. Deuxième chose, le PADUC dit enfin, envers et contre tout, que là où le sol avait une valeur marchande, était voué à de la vente et donc à de la rente de situation, le sol a enfin une valeur productive. Et la valeur productive, elle est mise en œuvre au prisme de tous les secteurs d'activité. Le tourisme en est un. Alors, c'est vrai, Vanina a dit, il aurait fallu identifier les zones précises. Mais croyez-vous que la Corse
elle a aujourd'hui, par anticipation, vocation à découper en rondelles le territoire pour dire là, on va faire telle chose, là, telle chose. Il y a un espace de liberté, et d'ailleurs, nous l'aurions fait, on nous aurait reproché d'avoir une mainmise sur les projets de territoire, donc nous nous disons, nous vous donnons de grandes orientations, y compris le fait que les équipements golfiques aujourd'hui ne sont plus vus comme, mon Dieu, quelque chose qui devait être de l'ordre de la discrimination, mais comme un atout à mettre au service d'un territoire. Vous simplement, vous opposiez dans la présente mandature au projet de golf, hein, Madame Louiché, je vous le rappelle, pas du tout dans le même, on n'était pas du tout dans la même approche. On n'était pas du tout dans la même approche. Permettez-moi de vous le rappeler. Aujourd'hui, donc. Jean Tsoukari, vous avez vraiment un problème avec votre siège. Je suis contre les golfs sur des terres agricoles. Il y a qu'un peu de terres agricoles, je continue à l'être. Monsieur. S'il vous plaît, je vais au bout. Poursuivez. Je vais au bout, mais je très vite, parce que Michel Seck est très en retard. Donc, vous l'avez compris. Aussi un peu, quand même. Le projet le modèle de société dit exploitons nos ressources naturelles, locales, créant de l'emploi sur place, devenant moins dépendants par rapport à l'extérieur. Le PADUC dit faisons en sorte de rétablir un certain nombre d'inégalités. Vous le voyez bien, au fil de l'eau, ça a donné quoi? Deux agglos qui se sont développés, un littoral qui est asphyxié et l'intérieur de l'île qui meurt. Et l'intérieur de l'île qui meurt, c'est la Corse qui mourra. Donc il y a un rééquilibrage. Donc il y a une politique agricole, donc il y a une politique forestière, donc il y a un développement touristique équilibré qui va irriguer y compris l'intérieur de l'île. Donc il y a une politique autour de la question de la mer, parce que la mise en valeur de la mer aujourd'hui, le nautisme, c'est une filière qui est porteuse. Aujourd'hui en Corse, on se rend compte qu'il y a 6 emplois créés pour 100 places de port. Ailleurs sur le continent, c'est 10%. Oui. Pourquoi nous en sommes là? Parce que nous ne sommes pas en capacité de proposer des infrastructures. Voilà le changement de réorientation. Allez, Michel Stéphane, sur le PADUC. Par exemple, vous aviez tous les outils pour mettre en place justement le développement. On va laisser Michel Stéphane. On les a créés, les outils. Aborder la question du. Allez-y. Il y en a qui apprécient d'avoir de l'avance en temps de parole. C'est vrai que dans le débat, c'est assez compliqué de développer des idées dans ces conditions. Je reviens à mon propos initial, le PADUC, puisque nous sommes là-dessus, oui. Il est aujourd'hui entravé par la politique d'austérité. Et, en termes de moyens financiers. Il est entravé par la politique d'austérité. Ça veut dire que vous ne pouvez pas réfléchir à une politique d'aménagement du territoire lorsque vous n'avez pas les moyens financiers pour mettre en œuvre cette politique. Lorsque vous réduisez les dotations aux collectivités locales, ce qui est le cas avec la politique gouvernementale, ça crée des situations qui sont extrêmement difficiles et nous voyons bien que cela n'est pas étranger aux difficultés qui surgissent ici ou là en termes d'aménagement du territoire. Mais je crois qu'en même temps, on ne peut pas ignorer une réalité qui est intéressante d'ailleurs. C'est ce qui, par exemple, à travers le CICE et le fameux pacte de responsabilité, les sommes qui ont été mobilisées au bénéfice des entreprises corses ces dernières années. Pour montrer qu'il y a effectivement de l'argent et qu'il y a de ce point de vue une nécessité impérieuse d'utiliser l'argent public d'une manière tout à fait différente. Quelques chiffres, puisque nous avons questionné pour ce qui nous concerne le ministre des Finances, M. Macron. En 2014, ont été versés aux entreprises 34,7 millions d'euros au titre du CICE sur la part salariale. En 2015, il est envisagé d'en verser 36. Il a été également versé par le bénéfice du CICE Corse, donc c'est la loi de finances 2014, pour 4000 entreprises, 43 millions d'euros. Là-dessus s'ajoute en 2014 27 millions d'euros versés après la grève dans les transports en juillet 2014. Lorsqu'on fait le total de ces sommes, on approche les 150 millions d'euros. Eh bien, nous disons que cet argent, sur un fonds régional pour l'emploi et la formation, pourrait, bien entendu, avec une perspective d'emploi productif, parce qu'il y a nécessité aujourd'hui de rééquilibrer le modèle économique, même si nous n'ignorons pas la réalité de l'activité touristique, il faut néanmoins rééquilibrer le modèle économique de façon à créer de l'emploi stable, puisque vous l'avez remarqué sans doute, la saison estivale ne suffit plus à faire baisser. Mécaniquement, oui. Pas de manière structurelle. Faire baisser le nombre de demandeurs d'emploi dans notre région. Une mal année, ça peut exister. Cela fait deux années de suite que nous sommes dans cette situation. Donc il faut repenser le modèle économique. Alors il a été question tout à l'heure de l'économie sociale et solidaire. Nous avons développé une idée. Non seulement il faut, bien sûr,
garantir le développement de l'économie sociale et solidaire. On sait qu'il y a, de ce point de vue, des emplois à créer. Il faut qu'ils soient là aussi rémunérateurs, qui bénéficient de moyens pour la formation. Et le Fonds régional pour l'emploi dont nous parlons, avec une ligne unique, pourrait être utile à cet objectif. Nous verrions à ce moment-là, avec un contrôle, puisqu'on parle d'évaluation des politiques publiques, avec un contrôle de l'utilisation de l'argent public, avec cette dépense publique utile, nous verrions à ce moment-là si les entreprises, avec des contreparties obligatoires en termes de salaire, de formation, donc des contreparties sociales, eh bien, répondre aux objectifs que la puissance publique établisse. Sinon, nous resterons dans le cas du figure où nous nous trouvons aujourd'hui, où les entreprises se contentent de reconstituer les trésoreries. Quelques-uns vivent très bien. Je disais tout à l'heure, 1600 ménages déclarent 180 000 euros de revenus annuels moyens, pendant que 18 000 autres, au moins 2 000 euros. Vous avez abordé pratiquement tous le PEI. Troisième convention a été signée, 536 millions d'euros pour la période 2014-2016. Est-ce que la prochaine mandature devra renégocier un nouveau PEI ? Alors là, je voudrais juste dire un mot. Allez-y. Un mot d'abord, très rapidement. Mais sur le PEI, parce que là, sinon... Attendez, c'était quand même le débat, c'est quand même l'économie. Je viens tout de suite sur le PEI. Le PEI, c'est l'économie. Mais comme il y a des points qui ont été évoqués extrêmement intéressants, je voudrais y revenir. Bon, et on a parlé de modèle économique, ce qui devait venir d'ailleurs un peu plus loin dans la discussion. Mais puisque nous sommes sur le sujet, très clairement, il nous fallait aider nos entreprises, et notamment sur nos deux piliers de l'économie, c'est-à-dire tourisme et BTP, à traverser la crise. C'est ce que nous avons fait. Je rappelle encore les dernières mesures pour assurer des fonds de trésorerie avec les banques, et ce que je signerai la semaine prochaine avec le préfet de région, sur la charte de la commande publique, là aussi, pour donner en quelque sorte les moyens aux entreprises de mieux répondre sur la commande publique. Vous voyez, ça nous rapproche également du PEI. Et d'ouvrir de nouveaux marchés, je me tourne aussi vers ma collègue Maria Giugiani, en matière de marché de rénovation, rénovation du bâti. Nous avons fait un travail considérable pour pouvoir assurer des conditions de croissance durable à ces deux secteurs piliers, qu'il ne faut pas opposer avec le réseau économique. Moi, je parle de transition économique. Je dis simplement qu'à côté de ces deux piliers, il nous faut maintenant développer toutes les filières d'avenir, que ce soit des filières d'ores et déjà reconnues, de compétitivité, d'excellence, le nautisme, les énergies renouvelables, l'agroalimentaire, etc. Je peux en passer, etc. Que nous avons aidé et structuré pendant toute la mandature. L'économie sociale J'attends et solidaire. Pardonnez-moi, Jean. Oui. L'économie sociale et solidaire. Allez, très vite. 6 millions d'euros investis sur le premier plan de soutien à l'économie sociale et solidaire. Jamais l'ESS n'avait eu une telle reconnaissance depuis toujours par la collectivité territoriale. Et effectivement, c'est un gisement d'emploi. Parmi les leviers, il y a le PEI. Le PEI. Est-ce que vous négociez un nouveau PEI ? Oui ou non ? Oui, Jean-Charles Orsault, tu l'as dit à contraste. J'ai envie de s'avertir le dimanche dernier. Attendez, pas tous en même temps. Je me suis très largement impliqué dans le PEI. Non, mais là, on parle de même intervenir. Demain, pas du bilan. Je vais te laisser la parole, j'en ai pour 2 secondes. Et tu verras. Sur le PEI, est-ce que si vous êtes aux responsabilités demain. Non, mais juste un mot sur le PEI, puisqu'on fait les bilans. Le PEI, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la Chambre régionale des comptes, dit que la collectivité territoriale de Corse, durant cette mandature, aurait dû se concentrer sur le PEI. Et ce que je disais en début d'émission, quand je dis que la collectivité n'a pas investi, a investi 50 millions d'euros en moins sur des projets structurants, comme des routes, des déviations, etc., et c'est à ce titre-là, ou d'autres projets structurants, c'est à ce titre-là qu'elle n'a pas suffisamment consommé le PEI. Et encore une fois, ce n'est pas Marie-Antoinette Santoni-Brunel qui le dit, c'est le Chambre, c'est le rapport de la Chambre régionale des comptes. Et du bilan. Est-ce que demain, si vous arrivez aux responsabilités, vous négociez un nouveau PEI ? Alors, oui ou non ? Un nouveau PEI, il faut parler de l'ancien. Mais non, on ne peut pas parler de l'ancien pendant un quart d'heure. L'ancien, non mais... Non, il faut des propositions. Au moins au niveau du sens. L'ancien a été négocié dans le cadre des accords de Matignon. Oui, il n'a pas été appliqué que par la mandature actuelle. Pour effectuer le rattrapage historique de la Corse. Oui, le rattrapage historique de la Corse. Parlons de l'avenir. Certains comme moi, dès 2008, j'avais déposé une motion demandant à ce que les clés de répartition, vous vous en rappelez, très bien. Les clés de répartition du PEI soient revues et corrigées.
Pourquoi ? J'ai des exemples. Bon, très vite, j'aimerais qu'on passe un peu aux propositions. Au lieu d'avoir une clé qui était une clé, clé de départ de 30-70, le pont, attendez, le pont d'Abre, un exemple, parce que sinon, ça veut dire que ce sont des discours en l'air. Le pont d'Abre a été financé à 55-45. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au bout du compte, pour des problèmes d'ingénierie, c'est vrai. Pour des problèmes liés à l'évolution de la situation. Pour des problèmes peut-être d'évaluation qui n'avaient pas été faites dans des conditions correctes, et j'ai des exemples, on a fait le PEI quand même et on est arrivé à des dépenses qui ont impacté la collectivité territoriale aussi bien sur la précédente mandature que sur celle-ci, alors que nous avions demandé à ce que nous négocions de nouveau à Paris le PEI et ses clés de répartition. Je vais donner une anecdote. Très vite. Allez. La droite était favorable. La gauche était favorable. En l'occurrence, Dominique Bouquin, je les cite, et Camille de Rocazère. Il n'y avait qu'une chose qui les séparait. Dominique Bouquin, et c'est normal, voulait, en plus de l'enveloppe, le différentiel des 20%, quand on passe de 70 à 90, et à ce moment-là, on pouvait, comme ailleurs, parce qu'il faut voir, comme Bretagne et ailleurs, il y a eu des plans routiers qui ont été financés à 100% par l'État. C'était dans les années 70. Nous, on nous a impacté sur nos... On a eu comme résultat des emprunts, deux emprunts, pas deux emprunts toxiques. Oui, ça, on le sait. D'accord. S'il vous plaît. Et on a payé un taux d'intérêt usuraire. Et voilà le résultat. Bon, aujourd'hui, s'il vous plaît, on fait un temps de table sur le PEI. Je voudrais savoir concrètement. J'aimerais savoir concrètement. On fait un tour de table. Est-ce que demain, laissez-moi vous répondre. Non. Voilà. La réponse est claire. Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi non. J'ai cité un exemple. D'abord, parce que on est sur un modèle qui est un modèle de demande réitérée. De moyens exceptionnels à l'égard de la Corse, et la Corse, elle a les moyens aujourd'hui, enfin, de pouvoir compter sur sa capacité à générer. Forme d'assistanat, quoi. Oui, on est dans l'assistanat permanent exceptionnel. Je ne parle pas de la solidarité nationale. Mais Lapierre, on n'est pas d'accord avec vous. Attendez, je vais au bout de mon propos. Je vais au bout de mon propos. Dans la bouche de l'exécutif, d'abord, c'est lourd. Je vais au bout de mon propos. C'est un PEI a été obtenu. Donc pour vous, c'est non. Attendez, c'est la position de Paul Jacobi, j'imagine. C'est la position de Paul Jacobi. Attendez, je viens coucher. S'il vous plaît, c'est intéressant. C'est quand même très intéressant. Très intéressant. Ce que je vous dis, parce qu'on parle de suffisamment de responsabilité pour m'exprimer, non pas en mon nom personnel, sur ce plateau, vous l'avez bien compris. On est dans un débat politique sur les territoriales. Donc je suis là à ce titre-là. Bien. Donc pour vous, c'est non. Alors, maintenant, laissez-moi dérouler. Je ne vais pas m'arrêter à ce non. Bref. D'abord, nous avons obtenu de maintenir l'enveloppe du PEI. Le président Jacob, il l'a obtenu de haute lutte, ce qui n'était pas gagné sur la troisième convention d'application. 536 millions. Les 536 c'était millions. Dû. Non, c'était ce n'était dû. Pas gagné. Il y avait un engagement de l'État. Laisse-moi aller c'était au bout. Dû. Très vite. Bien. Allez. Il n'y a ça, aucun exploit. Ensuite, deuxième sujet. C'était dû. Il faut que nous disposions de ressources qui nous proviennent de la solidarité nationale, c'est une évidence. Et je vais vous donner un exemple très simple, parce que là, on a été offensif. Bien. En matière, je ne sais lequel d'entre vous parlait tout à l'heure de réhabilitation énergétique, donc de questions énergétiques, donc d'infrastructures lourdes pour demain produire l'électricité, d'énergie renouvelable et de réhabilitation thermique. Nous avons obtenu non pas des moyens exceptionnels. La Corse n'en aura plus. Il faut sortir de ce schéma vieillot qui nous dépasse maintenant. Nous avons obtenu une enveloppe de 3 milliards d'euros au titre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est le rapport que je vais présenter à l'Assemblée de Corse la semaine prochaine. Et là, c'est tout simplement de la solidarité nationale, tout simplement, lorsque un abonné à EDF dans la France entière paye quelques centimes d'euros sur sa facture d'électricité, eh bien, ce quelques centimes d'euros reviennent à la Corse pour compenser le surcoût de production de l'électricité via les centrales. Et comme nous sommes dans un cercle spécifique, oui, comme nous, même pas, c'est de la solidarité nationale, c'est de la péréquation. Et comme nous sommes dans un cercle vertueux qui consiste à mettre en place ce fameux chantier énorme de réhabilitation énergétique des bâtiments qui va représenter 1
milliards d'euros sur 8 ans. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre d'emplois créés? Est-ce que vous vous rendez compte des nouveaux métiers qui vont être mis en œuvre? Donc, pas sur besoin d'un autre PUI. Donc, moi, je vous dis, le milliard, en l'occurrence, afférent à la réhabilitation thermique, le milliard afférent aux énergies renouvelables et le milliard afférent au fameux à la fameuse arrivée du gaz, ça fait 3 milliards. Ça vaut plus qu'un PUI et plus qu'un contrat de projet avec la région. Mais vous pouvez faire ça et le PUI parallèlement. Alors, non, mais attendez, monsieur Marianne, essayons d'être honnêtes. C'est une question. Non, mais moi je vous dis, soyons réalistes. Des chiffres qui donnent des tournis. Allez, vous n'êtes pas d'accord. Vous parlez d'avenir quand on n'a rien fait. Non, attendez. Sérieusement. Aujourd'hui, la réponse pour moi, elle est simple. Est-ce qu'il faut un nouveau PUI? La réponse, c'est oui. Pourquoi? Parce que Maria disait c'est un système vieillot. Non, toutes les régions de France, toutes les régions de France ont eu une enveloppe de solidarité nationale dans le cadre des infrastructures routières et ferroviaires. Mais la Corse aussi. Donc aujourd'hui, moi je le dis. Non, depuis 2002. Non, pardon. Je vais vous. Non. Les mots ont un sens. Là où certains parlaient de rattrapage historique, moi je parle de solidarité nationale. Or ailleurs, la solidarité nationale s'est exercée à 100%. Mais je vais vous dire ce qui nous a manqué. Et je le dis très clairement, nous avons manqué de maturité politique. Tous ensemble. À quel moment? Pourquoi? Parce qu'en Bretagne, tout a été financé à 100%, mais les priorités ont été affichées. La réalité pour nous, c'est que sur les grosses infrastructures, on n'a pas pu payer notre quote-part. On n'a pas pu payer notre quote-part. Et du coup, derrière, on a financé. Attendez. Là, on revient au passé. Laissez-moi aller au bout. On a financé des réverbères et des compteurs d'eau. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renégocier un PUI à 100% et les deux ans de cette mandature de collectivité unique, il faut dégager de véritables priorités. Avec un endettement qui représente 60% du PIB, vous pensez qu'un gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, va vous donner 600 millions ou 700 millions? Nous demandons à être traités à égalité avec les autres régions françaises. Je finis. Monsieur Marianne, si vous voulez parler de développement économique, les plus belles propositions que nous ferons tous sur les différents bancs que nous sommes, si nous n'avons pas nos infrastructures, si nous n'avons pas financé par la solidarité nationale, comme ça a été le cas ailleurs, de véritables infrastructures, nous n'aurons pas de développement économique. Mais pour ça, il faut la maturité politique de dire voilà nos priorités, il n'y en aura pas d'autres. Nous ferons des choix sur ce territoire, mais les choix seront clairs et affichés. Jean-Tucaril, vis-à-vis du citoyen. C'est dommage, c'est qu'on ait perdu 5 ans. S'il vous plaît. Non, on parle d'avenir là. C'est l'avenir. Concrètement. Pour ou contre un autre PUI. En matière d'investissement dans les infrastructures. Je vais vous donner la parole. Jean Tsoukaril. On a fait ce qu'on avait. Vanina Pierre, s'il vous plaît. Jean Tsoukaril, alors sur le PUI. Je dis. Oui ou non, en ce qui vous concerne. Oui ou non. Je dis qu'aujourd'hui, non, on n'a pas encore terminé la troisième tranche. Vous savez qu'elle va jusqu'en 2020. Non, mais attendez. Vous voyez, la manière de poser la question montre qu'on n'est pas du tout, mais pas du tout, sur le sujet. Le vrai sujet, c'est qu'avant de demander des moyens supplémentaires, c'est d'abord d'utiliser ceux qui nous ont été confiés. Je suis d'accord. Et de les centrer sur les priorités, ce qui n'a pas toujours été fait, ce qui a été fait dans cette mandature. Il faut dire la vérité aux gens. Vous n'êtes pas trop d'accord. C'est la majorité. Je veux pas être caricaturé, mais aujourd'hui, on s'est recentré. Vanina, on s'est. Oui, mais on s'est. Non, mais justement, on s'est recentré. Cette majorité aussi, alors. Sur les projets. Pardonnez-moi, sur les projets. Non, mais c'est important de dire. Essentiel. Hein, c'est-à-dire qu'on en revient maintenant, effectivement, aux routes. Hein, regardez les sorties de ville, les mini-tunnels, etc., qui sont financés par le PUI. Hein, ou les la sortie sud de Bastia. Attendez. En revanche, sur Ajaccio, le PUI, on n'en a pas vu beaucoup. Nous avons aussi. Quel que soit le président, les problèmes d'eau et d'assainissement. Attendez, laissez finir Jean Tsoukaril, s'il vous plaît. Allez-y. Les problèmes, s'il vous plaît, d'eau et d'assainissement. Extrêmement important. Les problèmes de foncier. Oui. 50% des 22 millions qui sont dotés, n'est-ce pas, à l'Office foncier de Corse. 30 millions. Plus de chiffres. Les 30 millions. Si je suis votre raisonnement. Qu'est-ce que je dis là? Nous sommes sur des priorités. Il a raison. Mais ce que je veux dire, moi, mon message, c'est lequel? C'est que si on avait géré avec responsabilité. Non, mais on parle de demain. Non, mais justement, attendez. Un certain nombre de collectivités. Il y a un problème de gestion. Ah, attends, Jean, de collectivités territoriales. Enfin. Nous aurions eu les contreparties. À Bastia, nous avons toujours eu les contreparties des 30%. Aux 30% sur tous les projets qui ont été financés au pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État aujourd'hui ne sera peut-être pas hostile à la fin du PUI à nous aider à nouveau, mais à condition que nous montrions que nous sommes dignes de confiance, responsables dans notre gestion, c'est-à-dire maintenant aujourd'hui nous de gérer les cordons de la bourse sérieusement, dégager les marges.
pour apporter les contreparties d'investissement. On peut être d'accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît. D'être vertueux avec l'argent. Merci, Jean-Trigorin. Si vous arrivez aux responsabilités, est-ce que vous renégociez un PUI? On a entendu tout le monde et ensuite ce sera Michel Stéphane. Alors, moi je crois qu'il faut aussi peut-être répondre aux interrogations des téléspectateurs qui nous regardent ce soir et qui veulent savoir ce que nous sommes en mesure de proposer, bien évidemment. C'est vrai qu'il y a eu une bataille de chiffres jusqu'à présent. C'est vrai qu'on s'interpelle les uns les autres sur la précédente mandature et la précédente de la précédente. Bon, il y a des responsabilités de cette majorité sortante. Je l'ai dit et je ne vais pas me répéter. La précédente maintenait un niveau d'investissement qui était quand même... Vous ne pouvez pas... Dernière partie d'émission, pouvoir parler chacun et faire part de nos propositions, je crois qu'il faut qu'on chacun, on s'engage à ne pas s'interrompre les uns les autres. C'est ce que nous allons faire. Je pense avoir été autant interrompu. Je pense que les téléspectateurs aimeraient vous entendre sur vos propositions concrètes. Alors, sur le on n'a plus le droit de mentir aux gens. C'est vrai que le modèle qui a été présenté dans cette mandature du tout public, on l'a vu, des créations d'emplois, etc. Nous, on veut donner la priorité à la création de l'emploi privé. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater, on est tous obligés de constater que la baisse des dotations publiques et des moyens publics... Si vous arrivez aux affaires en décembre prochain, vos premières actions concrètes pour créer des emplois. Il y a deux piliers qui sont en effet le tourisme et le BTP. Moi, je ne fais pas partie de ces gens qui disent je reconnais qu'en effet, il y a ces deux piliers. Pour ce qui concerne le BTP, il faut bien évidemment les accompagner dans la gestion de cette crise qui est aujourd'hui dramatique pour la Corse. Relancer la commande publique. Il faut relancer la commande publique, ça c'est un premier point. Deuxième point, en ce qui concerne le tourisme, je suis désolée, bon, on peut en effet discuter des chiffres, etc. Le constat, il n'est pas si bon que ça. L'étalement de la saison, eh bien, il n'est pas si évident que ça. Il est là. Alors, il y avait quand même une proposition fondamentale qui avait été faite par le passé, qui n'a pas été suivie ou en tout cas qui n'a pas pu aboutir dans cette mandature. C'est le contrat saisonné et l'annualisation du temps de travail dans les métiers du tourisme. Bon, et force est de constater qu'il y a quand même des socioprofessionnels qui sont montés au créneau, notamment ces derniers mois, à commencer par le cercle des grandes maisons qui, justement, attendait l'annualisation du travail. Vous défendrez cette proposition ? Ah, tout à fait, l'annualisation du temps de travail et le contrat saisonnable. C'est nous qui l'avons détaillé. C'est Antoine Georgi, dans la présente mandature, qui avait porté. Je ne peux que m'y associer puisque c'est la précédente majorité. Vous voyez, comme quoi, Madame Douchet. Je résume un peu vos propos. Relance de la commande publique. Moi, j'ai travaillé. Et en ce qui concerne le secteur privé et le secteur du tourisme, l'annualisation du temps de travail. Deux propositions. Je voudrais parler. Je vais répondre. Je voudrais aussi parler du nautisme. Parce que là aussi. Beaucoup avait été fait, de décisions avaient été prises. Le plan nautique, qui date de 2005. Le plan nautique, qu'avons-nous fait durant ces 5 dernières années ? C'est fondamental pour notre économie. Aujourd'hui, l'activité nautique ne peut pas se développer parce qu'elle est liée à la problématique de l'extension des places de port, etc. En Corse, nous n'avons pas. Donc, en Corse, vous proposez de créer ce qu'on appelle des anneaux supplémentaires. Ça avait été écrit en 2005. Mais qu'avez-vous fait durant 5 ans ? Et c'est ce que je disais. C'est qu'à un moment donné, vous pouvez faire voter des feuilles de route extrêmement ambitieuses. Mais si vous n'y arrivez pas, Et un dernier point, et je vais terminer. C'est ce que je reprochais au PADUC, puisque les zones d'activité n'ont pas été prises en compte. Aujourd'hui, il y a deux grandes communautés d'agglomération qui sont, s'il vous plaît, on est sur les propositions. Un travail de concertation avait été fait avec ces communautés d'agglomération pour définir des zones d'activité fondamentales, pour développer des activités de type industriel. Je citais l'aéronautique, mais il y a aussi le numérique. Je suis désolée. Dans le PADUC, on n'a aucune proposition qui concerne l'aéronautique et le numérique. Mais nous avons des projets. Nous voulons créer des zones d'activité dédiées à l'aéronautique. Vous voulez parler des propositions, mais vous revenez. S'il vous plaît, monsieur Tchicaré. Je sais que ce que je dis vous dérange. Je sais que les vérités. Jean Tchicaré, s'il vous plaît. Rassurez-moi, je pense avoir donné l'image de quelqu'un qui.
Arrêtez-vous qui a travaillé durant cette mandature et qui continue à le écoutez, faire. Écoutez, il nous reste au niveau s'il vous plaît. Au niveau de la communauté d'agglomération du pays Ajaccio. Parce que là, c'est et vos services le savent. Et vos services le savent parce qu'il y a plusieurs projets qui ont été déposés, monsieur. Plus de débats en duo comme ça. Mais je comprends que quand il y a un constat d'échec qui est fait par l'actuellement gérant majoritaire, on a entendu vos propositions. Les propositions sont difficiles à être acceptées. Mais pour finir sur le numérique, quand même, la collectivité territoriale de Corse, elle a investi, mais pas hier, avant-hier, elle a investi dans le développement du réseau haut débit. Et ça, dans les zones rurales, c'est fondamental. Mais qu'avons-nous fait? Est-ce que le PADUC prend en compte le développement des activités numériques? Allez, donc on a entendu vos propositions. Vanine Nakier et Michel Stéphanie, qui est très... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais rebondir sur vos propositions. Dites concrète de Marie-Antoinette. Regardez l'horloge. Anthony il reste 15 minutes d'émission. Je vois que Michel Stéphanie dit. C'est un vieux dossier. Pardon, monsieur Marianne. C'est un vrai dossier. C'est un vrai dossier qu'on m'a soumis en 2010. Il n'y a rien au niveau du gouvernement dans ce dossier. Je vais vous expliquer pourquoi le CDI saisonnier aujourd'hui. Contrat durée indéterminée. N'a pas pu être mis en place. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, parce que techniquement, il n'y a rien dans le dossier. Que deux, il faut faire une expérimentation qu'on a lancée au sein de l'Agence du tourisme de la Corse. Qu'aujourd'hui, on se heurte au code du travail. Alors aujourd'hui, on est dans une territoriale. Dire que la proposition concrète, c'est le CDI saisonnier. On se heurte au code du travail français pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, le code du travail n'est pas fait... Juridiquement, c'est filière, pas possible. ..n'est pas fait filière par filière. Donc j'ai saisi Il le gouvernement. Général, oui. Nous avons lancé une expérimentation. Avec Pôle emploi, nous avons travaillé sur la requalification des fichiers. Et aujourd'hui, ce dispositif, avec 140 entreprises, s'est arrêté en matière d'annualisation de temps de travail, faute de moyens au niveau de l'État. C'est la vérité, je le regrette. Mais aujourd'hui, le CDI saisonnier pour mai être mis en place, il faut remonter au niveau du gouvernement. Et j'ai dit que j'étais prête à négocier avec le gouvernement pendant une dérogation. Après, pendant c'est la ce que j'ai annoncé. J'ai travaillé. Nous avons aujourd'hui dans les tiroirs un cahier des charges. Et c'est ce que nous défendrons Michel, lors de la Michel campagne. Stéphanie. J'ai pas fini. Non, mais, sur la plaisance. Sur la plaisance, c'est le nautisme. On n'a rien fait. On a financé 1000 places. Non, mais on parle de l'avenir. On revient pas au débat antérieur. Non, c'est pas possible. 1000 places. Aujourd'hui, le port de Bonifacio, il est bénéficiaire. Avec 350 places et 200 places pour la plaisance. Aujourd'hui, en matière de bénéfices, il y a 1 million d'euros de bénéfices de dégager. Et sur les propositions concrètes, très vite. Que fera la liste la Corse au cœur. Non, on n'arrête plus, vous le savez comment je suis. De oui, c'est bien compliqué, là, Ronald, même moi. Ronald et la Bretagne, l'existence de clusters. L'existence de clusters, l'existence de coopératives d'immersion. Je le redis, nous avons un déficit en matière d'ingénierie, de pré-projets, d'études de marché. Aujourd'hui, nos jeunes, au-delà d'une véritable formation, ils ont besoin de coopératives d'immersion pour tester leur idée, pour que ça devienne un véritable projet. J'ai pas fini. Ah oui, attendez, il faudrait que les autres parlent aussi. Des zones d'activité économique avec des infrastructures dédiées. Parce que l'économie du numérique passe par de véritables infrastructures. Alors, Michel Stéphanie va apaiser un peu le débat. C'est le plus calme de vous six. Il est juste passionné, le débat. Ah, oui. Alors, quelle proposition défendrez-vous et quelles mesures? Je crois qu'Emmanuel Macron va être content des propos qui viennent d'être tenus. Mais indépendamment de cet aspect, moi, je reste convaincu qu'il y a nécessité, dans une période comme la nôtre, d'un investissement public massif pour relancer la consommation des ménages, développer l'investissement public. Comment? Alors, vous avez quelques exemples, ils ont été rappelés. La programmation pluriannuelle énergétique en est un. Je crois que c'est quelque chose d'important, 3 milliards d'euros. Le PEI qui doit s'achever, ça n'est pas négligeable, même si la clé de répartition est désavantageuse, en partie pour la collectivité. Mais au-delà de ces aspects, je crois que ce qui est important et qu'il faut retenir, c'est que le phénomène de croissance auquel nous avons assisté pendant plusieurs années ici, a été en fait capté et nous voyons qu'au titre des répartitions de la richesse, il y a des entreprises bien entendu qui en ont tiré avantage et l'immense majorité de la population qui elle a été je dirais écartée du bénéfice de cette croissance et là on a un véritable problème. Donc il faut repenser l'investissement public de façon à ce que tout le monde puisse avoir un profit équitable de celui-ci. Ensuite, il y a, alors j'ai entendu la droite, elle est sur le schéma habituel, on soutient l'entreprise et on supprime l'emploi public. C'est bien, J'ai pas dit ça, monsieur Stéphanie. Non. Ne modifiez pas mes propos quand même. Ayez au moins cette honnêteté intellectuelle. Allez, Michel Stéphanie, poursuivez. Je suis peut-être plus honnête que vous intellectuellement. Je vais terminer. Qu'il fallait supprimer l'emploi public, j'ai dit qu'il fallait arrêter d'augmenter excessivement les charges de fonctionnement. C'est pas alors, pareil. Michel Stéphanie, poursuivez. Ben, très bien, là, vous faites dans la nuance, c'est de la dentelle. Mais, Michel Stéphanie, donc. Moi, je fais pas dans la dentelle, et donc je vous dis les choses.
choses comme elles sont. La droite fait habituellement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'elle soutient l'entreprise privée. Le Parti socialiste aujourd'hui au gouvernement le fait. Le Front de gauche, poursuivez sur les mesures que vous développerez. Vous avez commencé, donc je disais tout à l'heure qu'il y avait la possibilité, puisqu'on devait examiner la question de la relance du pouvoir d'achat des ménages et de la consommation. Il y a 250 millions d'euros de réfaction de TVA qui sont détournés, qui s'évaporent. Je pense qu'il faut les utiliser pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages insulaires. Je pense que l'investissement public, on l'a montré, ça a été rappelé, donc la PPE, mais on pourrait prendre aussi les chemins de fer ou l'office foncier. Il y a des moyens publics qui peuvent être mobilisés. Encore une fois, je dis qu'il faut être très attentif à la façon dont ensuite est répartie la croissance en termes de richesse pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc nous nous orientons, je dirais, vers un modèle économique qui n'est pas celui qui a prévalu jusqu'à présent et dont on dit qu'il faut sortir, c'est-à-dire casser le modèle de la rente qui repose sur le soutien fiscal aux entreprises, créer de l'emploi productif parce qu'on peut développer, me semble-t-il, le secteur secondaire, donc la production industrielle. Vous savez que la Corse importe 9 fois plus qu'elle n'exporte. Donc ça donne une idée de ce qui peut être fait en termes de transformation de l'agroalimentaire, de l'industrie. On a des exemples qui sont intéressants avec la coopération sur tout ce qui touche à l'aéronautique. On peut réfléchir encore. Il y a eu une période où il y avait des entreprises industrielles en Corse qui produisaient des machines agricoles, qui faisaient donc de la chaudronnerie industrielle. Par conséquent, nous devons réfléchir à développer, me semble-t-il, le secteur secondaire avec la possibilité, si vous permettez, pour ce qui est de l'agroalimentaire et de l'agriculture locale, de développer les circuits courts. Alors, les circuits courts, c'est quoi ? Ou l'économie circulaire, on en parle beaucoup. Ben, c'est la possibilité de faire vivre localement, à partir de la consommation locale, la production agricole et, bien entendu, permettre à la population locale de s'alimenter dans de bonnes conditions avec des produits de qualité et accessibles. Jean Biancucci. Alors, nous, pour ce qui concerne les propositions, nous avons déjà donné un affichage qui se voit à travers la notion de RIACUIST. RIACUIST, ou comme il y a eu un RIACUIST ou culturel, on pense qu'il peut y avoir aussi un RIACUIST économique. Alors, bien entendu, c'est une attitude, le RIACUIST, c'est quelque chose de volontaire. Et bien entendu, quand on se positionne de cette manière, ça nécessite aussi d'autres modes de gestion, bien entendu, y compris à la collectivité. Il y a des choses qui sont complètement à revoir. Okay, mais il faut parmi les mesures concrètes. Mais les mesures concrètes, c'est d'essayer, on a parlé tout à l'heure du numérique. Bon, est-ce qu'on est décidé véritablement à, comment dire, investir, mettre les moyens qu'il faut dans le numérique? Ça, c'est une hypothèse. Je veux dire, c'est le monde qui va. On n'invente rien. Ça nous permettra à la fois d'être au bon niveau et de prendre de l'avance. Ensuite, il y a un problème qui est latent. Même si aujourd'hui, il ne s'agit pas de parler directement de l'agriculture, il y a quand même tout un secteur économique. Et là, il nous reste 7 minutes. Fait en sorte, à travers le PADUC, que justement, ces espaces agricoles... Oui, mais c'est nous qui avons amendé le PADUC. Ah bon, on ne revient pas au débat hanté, s'il vous plaît, parce qu'alors là, il nous reste 7 minutes d'émission. La proposition de l'exécutif, donc, vous en avez convenu. L'agriculture. Et nous avons préservé le numérique, l'agriculture, les espaces stratégiques agricoles. Ensuite, il est entendu aussi qu'il faut être acteur directement de l'économie, c'est-à-dire s'impliquer. La collectivité territoriale, on dit souvent, on doit accompagner. Eh bien, il faut faire plus qu'accompagner. Il n'y a pas que la règle du marché qui doit peser sur les choix que l'on peut faire. À partir de là, on peut, bien entendu, d'une part, faire en sorte qu'il y ait une relance du tissu actuel. On peut décider des mesures financières. Et ensuite, il y a un outil auquel tout le monde pense. Mais jusqu'à présent, on n'en a pas parlé. C'est de faire de la Caisse de développement de la Corse la CADEC une vraie
banque locale au service du développement. Allez, on a une expérience, on a un outil, il manque la volonté pour faire. Merci, Jean Tsoukaré, s'il vous plaît. Nous proposons que cette banque devienne 6 minutes d'émission et Jean Tsoukaré et Maria. Allez, Jean Tsoukaré. Non, moi très rapidement, je crois que la Corse aujourd'hui, elle a devant elle le choix du repli ou de l'ouverture. Donc en matière économique. En matière économique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais ça découle de cela. C'est-à-dire ouvrir les marchés, nos entreprises sur l'extérieur, les aider à conquérir des marchés et en même temps attirer des investisseurs et des entreprises à forte valeur ajoutée. L'attractivité. Tout à fait. Nous y avons beaucoup travaillé sur cette mandature. Aucun résultat. Nous avons mis en place. Non, plus de débat. Jean, s'il vous plaît. Sinon, je continue. Avec Vanina Pierre, nous avons mis en place une marque territoriale qui, quelque part, traduit cette volonté, d'ouvrir les entreprises. C'est l'ouverture. Et là, je le dis, s'il vous plaît. Non, vous laissez terminer, Monsieur Tsoukaré. Monsieur Biancucci, Monsieur Tsoukaré, allez, poursuivez. Non, mais c'est la vérité. Bon. Et là, nous sommes très clairement sur des choix que nous ne partageons pas tous. Si on fait le choix de l'ouverture, on le fait résolument. Si on accepte de vouloir faire venir des entreprises. Oui. Pour développer un écosystème, pour pouvoir attirer nos jeunes dans des filières d'avenir, il faut l'assumer. Et je le dis, c'est incompatible notamment avec le statut de résident. Donc à un moment donné, il faut que les décisions... C'est le troisième débat sur les institutions. C'est vrai que c'est un peu lié. J'ai l'impression d'avoir... Non, s'il vous plaît, on n'ouvre pas ce débat, sinon on fait trois débats. D'un coup, j'ai l'impression d'avoir Aline Castellani en face. Allez, on reprend pas... On ne refait pas le débat de l'hémicycle sur le statut de résident, s'il vous plaît. Il me semblait qu'on parlait d'économie. Monsieur Biancucci, s'il vous plaît. Les trois premières décisions... Il reste Maria Luigi, lui aussi. Quand... Nous Monsieur Tsoukaré, allez, vos trois mesures. Voilà. D'abord, renégocier le dispositif fiscal du crédit d'impôt investissement pour l'orienter et le cibler sur les secteurs prioritaires. Première mesure. On l'a maintenu qu'à l'endroit. Deuxième mesure. J'ai pas le temps de développer, je suis désolé. Deuxième mesure. Le tourisme en fait partie. Deuxième mesure, la création d'un pacte stratégique de filières. On s'entend sur des objectifs à atteindre, des indicateurs de résultats et des emplois créés. C'est-à-dire qu'on est dans une logique effectivement de donnant. D'accord. Bon. Et on s'assure aussi. Partenariat public-privé. Et on s'assure aussi que l'aide publique, elle est toujours conditionnée. C'est aussi le sens de la commande publique avec la charte. Au respect par les entreprises. Voilà. Ça, c'est la de seconde mesure. Sociale Allez. Et environnementale. Non, n'interrompez pas, M. Biancucci, s'il vous plaît, parce qu'on ne terminera pas l'émission. Troisième point, parce que là, je suis dans le concret. Troisième point, création, comme le tourisme étant là la nôtre, d'un fonds régional d'intervention qui permet de faire des prêts également de prendre des participations pour la première fois dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il peut aussi participer de cette politique d'attractivité des entreprises sur notre territoire. Mais pour qu'on fasse tout ça, il faut parler transport. La pierre angulaire, c'est le transport. La maîtrise des transports. Et avec ceci, pourquoi vous allez venir ? Allez, s'il vous plaît. Monsieur Biancucci. Non, messieurs, on ne recommence pas le débat du début d'émission. Je n'ai pas pu terminer. Vous avez trois. Monsieur Biancucci, s'il vous plaît. Non, vous ne l'avez pas fait. Un objectif. Ces contreparties en termes donc, de solidarité. Vos trois propositions. Le développement de l'ESS, je l'ai dit. Nous sommes s'il vous plaît. Allez, Maria et le développement, voilà. Le développement messieurs, s'il vous plaît. De l'agricole et du monde rural, nous aurons là aussi des propositions soyez, fortes messieurs, à formuler pendant la campagne. Soyez fair play. Madame Duigil. À notre sens, il y a deux grands sujets à prendre en compte pour faire que le développement économique imprime enfin cette île. D'abord, il faut transformer le territoire. Il faut s'impliquer dans la transformation du territoire. Cette transformation, elle est organisée par ce que prône le PADUC, notamment les secteurs d'enjeux régionaux, l'accessibilité, les transports, les équipements publics, dont le numérique d'ailleurs, l'accueil des habitants au plus près des populations, c'est-à-dire la capacité à construire des logements permanents pour accueillir des gens qui vont venir travailler chez nous, et bien sûr, l'installation de zones d'activité économique. Ça, c'est une plus grande implication de la puissance publique dans l'aménagement du territoire, moyennant effectivement,
un engagement aux côtés des collectivités locales pour organiser le territoire. Ça, c'est le premier. Deuxième sujet, c'est effectivement la solvabilité de l'activité des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin de quoi ? Elles ont besoin de lisibilité. Donc, elles ont besoin de s'engager dans un contrat d'économie productive. Le contrat dit quoi ? Eh bien, ce que nous, nous mettons dans la corbeille de la mariée, ce que la puissance publique met dans la corbeille de la mariée, la puissance publique doit effectivement être là. Non, monsieur Biancucci, s'il vous plaît. Il reste une minute d'émission. Non, on ne recommencera pas le débat. On n'aura pas le temps de parler de transport. Non, terminé. Très vite, s'il vous plaît. La commande publique, des moyens que nous votons la semaine prochaine, la PPE, l'office foncier qui n'existait pas, le PADU qui n'existait pas il y a une semaine, et je vais finir par un mot. Je vais finir par un mot. Monsieur Biancucci, s'il vous plaît. Monsieur Biancucci, ne m'interpellez pas, vous avez dit le PADU que c'est nous. Je trouve que c'est irrespectueux. Non, attendez. Non, on n'a pas le temps de relancer le débat. Regardez le chrono. C'est malhonnête. S'il vous plaît. Le PADU, c'est celui de la Corse et la virgule. Monsieur Biancucci. Le générique va démarrer, l'émission s'achève. Donc voilà. On n'aura pas le temps de parler transport. Dommage. Et c'est bien dommage que vous. Il aurait été important de parler de la sauvegarde de la continuité territoriale, mais de l'ouverture de nouvelles lignes aériennes. On en reparlera au long de la campagne. Ne vous inquiétez pas. Merci, mesdames, messieurs. Merci d'avoir participé à ce débat. Vous aurez l'occasion de revenir sur les antennes de France 3 Corse pour. Merci, Michel Stéphanie. Je voudrais juste remercier, si vous me le permettez, les équipes techniques de France 3 Corse qui ont permis que cette émission existe. Et vous aurez l'occasion de revenir sur les antennes de France 3 Corse pour d'autres débats. Merci à Geneviève Moindreux qui assurait l'édition. Une émission à revoir sur notre site internet france3corse.fr. Le mois prochain, les institutions. Je vais y arriver. Bonne soirée, merci à Belgique.